Au bassin à flot, les espaces publics seront très diversifiés et assez libres, assez ouverts. Ça s'articule autour de Centre, d'abord, qui relie les quartiers des Chartrons au bassin, puis des bassins vers Bacalan. C'est-à-dire qu'on peut traverser entièrement ce quartier. Ces centres sont plantés, elles sont les espaces de rencontre, les espaces par lesquels on rentre pour aller chez soi, soit dans les maisons individuelles, soit dans les halls d'entrée des immeubles collectifs. Ces centres, elles sont toujours tendues, ouvertes, elles vont vers l'eau et les quais des bassins à flots. Et puis, il y a un deuxième type d'espace public plus classique, qui sont les rues existantes, mais des voies nouvelles qui prolongent complètement les voies existantes. Ces voies sont traitées de façon très classique, on va dire, avec adressage sur rue, des trottoirs larges. Et puis, une particularité, des petites places, des placettes, à la demande du maire, qui sont des espaces de rencontre, qui sont souvent au débouché des centres ou entre les centres et les voies nouvelles, qui sont des espaces pour les jeux, pour les enfants. C'est des espaces publics qui sont pour moi à l'échelle humaine et qui sont, je l'espère en tout cas, sur la finalité, pas trop rigides, pas trop composés, plutôt des espaces de respiration, où la nature est présente.